Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre centre d'information et d'initiation au jardinage naturel et à la permaculture. L'objectif de l'ouverture du centre, donc, c'est de vous expliquer le jardinage naturel et la permaculture. La permaculture, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on explique le sens, d'où ça vient la permaculture. Et puis, on vous expliquera aussi surtout tout un tas de techniques qui vous permettront de faire un jardin donc au naturel bien sûr, mais aussi durable, productif et sans trop de contraintes. Donc là, nous sommes sur la première zone donc, que l'on fera visiter, où l'on va expliquer donc, la vie de la terre en long et en large. Ensuite, donc, le travail de la terre à minima, la couverture du sol, donc très très important, que ce soit en paillage naturel ou paillage artificiel. Et puis, dans cette zone, on abordera aussi le sujet des buts en permaculture, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens voient la permaculture au travers des buts. Donc on expliquera tout ça, les avantages, les inconvénients, le contexte. Et puis nous parlerons aussi de différents outils donc, qui permettent de travailler le sol et puis qui rendent énormément de service, bien sûr des outils manuels, donc non motorisés, qui vont dans le sens de la permaculture. Donc là, nous le trouvons dans le verger donc, qui a été planté donc, au départ lorsque nous avons fait l'acquisition du site hein, il y a environ 30 ans. Et donc on a développé un petit peu le concept de forêt-jardin pour expliquer ce que c'est. Et puis on abordera aussi bien sûr le sujet des légumes perpétuels. Donc tous ces légumes qu'on n'a pas besoin de replanter tous les ans. Donc avec par exemple le céleri permanent, le poireau perpétuel, la bourrache, l'oseille sanguine, etc., etc. Donc il existe tout un tas de solutions relativement simples sur paillage naturel, entièrement naturel. Là. Donc on est parti d'une prairie et on a aménagé cette zone qui aujourd'hui donc prend place petit à petit. Sachant qu'on est là, à la fin de l'hiver, donc tout n'est pas sorti, il y aura beaucoup plus de végétation dans quelques semaines. Thank you.
là, nous avons avancé un petit peu sur le parcours. Nous nous trouvons donc dans la zone où on parlera de culture en bac, culture surélevée et puis culture en pot. Donc là, nous sommes à la fin de l'hiver, comme je vous disais tout à l'heure, donc très peu de végétation, à part les fraisiers donc, qui sont restés en place cet hiver. On abordera la question de l'alimentation des plantes et puis de l'arrosage, puisque toutes ces cultures donc, qui sont, qu'on va dire, un petit peu hors sol, ont besoin de soins très particuliers. Et puis on abordera aussi le sujet des plantes qui peuvent servir à faire des purins, plantes qui peuvent servir d'engrais. Et on vous présentera tout un tas de plantes différentes, comme la mélisse, la poire de terre, le melon poire, le chiseau, etc. Donc là, on se trouve sur la zone de compostage. Donc nous, ici, on réalise donc un compostage à froid. Donc on a prévu plusieurs zones. Donc ces deux zones-là, donc qui sont juste derrière moi, donc stockage au cours de l'année. Là, on voit qu'on a recommencé donc à mettre en début de saison les tentes. On va broyer les branches, on va amener éventuellement du fumier de nos animaux, etc., de façon à ce que le compost soit le plus diversifié possible. Et puis donc cette case, enfin ces deux cases vont se remplir au maximum, et à la fin de l'année, donc la case qui se trouve à côté, donc où le compost est en train de se faire, ira dans le jardin et on basculera donc les deux cases de l'année en cours dans celle d'à côté. Donc on a un compostage qui se fait sur 2 ans. Mais on parlera aussi bien sûr de compostage à chaud, de compostage de surface bien sûr, et puis de lombricompostage. Donc là nous nous trouvons donc sur la zone de culture sur toile de paillage. On a développé donc cette technique il y a quelques années au profit d'une partie de notre clientèle, donc qui, des personnes âgées ou des personnes qui habitent en ville, qui ont du mal à se procurer donc du paillage naturel. Donc on voit un exemple de culture sur toile, donc des poireaux là qui restent de la fin de l'année. Nous sommes au mois de mars, donc on a couvert au fur et à mesure que l'on a enlevé les toiles, donc on a couvert notre jardin de feuilles, de matière organique, notamment du compost. Et puis là, on arrive à une période où on va travailler à minima donc la terre, éventuellement donc avec ce type d'engin, la biobêche. Hein. Et puis cette zone, donc on abordera tout autre sujet comme la biodiversité, la densification des cultures, l'arrosage, etc. Donc là, nous arrivons donc dans la dernière zone, la serre, où vous pouvez constater donc que les cultures sont relativement avancées déjà, puisqu'on a commencé là fin décembre, début janvier. Donc ça permettra aux premiers visiteurs de voir réellement donc des zones en culture. Et puis là, donc dans cette fameuse serre, on expliquera les contraintes d'une serre, mais aussi tous les avantages, hein, bien sûr, puisque le fait d'avoir une serre, donc ça permet notamment d'allonger la durée des cultures. Donc on expliquera tous les paramètres qui permettent de maîtriser cette technique-là. Nous vous avons présenté donc les différentes zones du parcours sur le site. Donc nous ouvrons donc le 8 mai, qui est un vendredi. Et puis ensuite, tous les premiers samedis du mois jusqu'au mois d'octobre.
Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site internet.